Bonjour, je suis aujourd'hui dans le village de Saint-Didier-d'Ossiat pour vous présenter cette maison très proche du village, qui est reliée au village et aux écoles par un petit chemin piétonné et des trottoirs. Donc, cette maison sur un terrain de 850 mètres carrés environ comporte 4 chambres. Sa surface est d'un peu plus de 100 mètres carrés. Vous voyez ce grand séjour largement éclairé par la lumière naturelle quand il fait beau aujourd'hui, malheureusement. Nous n'avons pas un très beau temps, mais vous voyez quand même que ce séjour est sympathiquement éclairé. Vous voyez, bon, le beau sapin de Noël qui a été fait. Vous voyez un passage dans le miroir, on ne peut pas faire autrement. Cette petite cuisine très bien équipée, qui prend pas trop de place, mais qui permet un fonctionnement très, très pratique, donc qui restera en place, a priori, avec ses appareils. Je vous présente donc la partie nuit maintenant, avec ce couloir. À ma gauche, un sanitaire qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. La salle de bain, équipée avec sa baignoire, une jolie vasque. Une première chambre, qui est la chambre du bébé. Voilà, donc elle est équipée de volets roulants, menuiserie PVC. La plus grande des chambres, la chambre des parents. Je poursuis donc au fond, vous avez la porte qui donne au garage. Troisième chambre. Donc toutes les chambres ont possibilité de mettre en place des placards avec portes coulissantes. Et puis la quatrième chambre également qui peut être équipée avec des portes coulissantes ou des rideaux comme c'est le cas actuellement. Voilà, donc je vous le répète, donc cette maison sera disponible aux alentours du mois de février ou mars, enfin fin février, début mars, et vous pouvez avoir beaucoup plus de renseignements en me contactant à l'agence Orpi à Morvan-en-Bresse. Vous demandez Pierre au 07 63 59 85 90. Et je vous montre en partant à nouveau ce beau séjour. Aujourd'hui est très, très agréablement meublé, mais que vous pourrez meubler à votre façon. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.